vers le gain de reste mon qui ça qui dit qui ça qui fait mais nous sommes capables d'entrer en contact avec une PSAO, mais c'est certain que pendant le journal là on a regardé avec une responsable si là yo. Mais n'a toujours été dans le même dossier ça qui voit avec à cause de kidnapping j'en t'ai dit hier matin bien ça kidnapping qui était fait sous des employés la Cour des comptes m'a dit passé à la dans zone Matissan hier soir jeudi à là bien des employés ça au jeune libération yo deux jours après que yo t'ai kidnappé dans soirée matin qui était 20 avril 2021 dans troisième circonscription Port-au-Prince non des employés coulé supérieur des comptes à comptes administratif yo qui c'est et Jean-Paul Normali ak ménager Mimosa Benoît mais des otages jeune libération hier soir jeudi à là selon yon sous que capable faire confiance contre un son Jean-Monio Dia on somme l'agent que qui pas révélé bon au niveau de la presse mais de Mounsao jeune libération rappelé c'est Jean-Paul Normali ak ménager Mimosa Benoît qui s'est déemployé la Cour des comptes qui bandit et kidnappé mardi passé à là non niveau troisième circonscription Port-au-Prince non yo jeune libération yo mais pour toujours dans le cadre de ça ben j'aime te dire concernant trois sous quantité religieuse que monsieur Baskat Samaozo était kidnappé dans date qui était dimanche 11 avril passé à mais trois dans neuf monde qui était kidnappé en bas mais monsieur Baskat Samaozo yo 12 jours après mais je veux dire ça s'est fait n'importe 13 jours même si me dit ça 13 à 14 jours mais gagné trois dans monde ça yo qui jeune libération yo d'après que ça yo sous dans pouvoir capable fait la presse qu'on est et trois monde qui jeune libération trois religieux qui jeune libération yo c'est Père Hugues Baptiste Gelovely Joseph et sœur Anne-Marie Dortelus c'est parmi trois dans quantité monde religieux religieuse qui non mais c'est 400 Maozo qui jeune libération hier jeudi à Kounia ça qui est pour avec santé l'autre monde reste monde c'est ça que fait n'a regardé même pendant journal là même dans fait journal là pour parler avec une responsable que nous dire là haut mais c'est déjà une nouvelle qui commencé quand même métier et contentement tout petit la caille communauté l'église catholique là les aucune nouvelle trois non monde ça qui libéré qui rappelé c'est père Hugues Baptiste avec Lovely Joseph et puis sœur Anne Marie Dortelus ouais blason dit nous a toujours été sous dossier ça nous pour lancement avec monsieur Leroy Mésidor qui était le même qui parlait sous dossier ça nous pour permettre gain plus information nous t'es déjà j'ai noté déjà ça dans titre 5h50. Chevêque Port-au-Prince, monsieur Max Leroy Mésidor exige libération religieuse et religieuse qui n'a même base à 400 Maozo dans la commune Croix des Bouquets. Chevêque l'a demandé bandi yo prend conscience hein, si la yo pas gain l'argent et yo pas capable de supporter tout jour séquestration ça yo surtout gain plusieurs là-dedans qui malade gain plusieurs responsables organisation religieuse te faire contre ça pendant semaine non sur antenne Radio Omega monsieur a demandé autorité yo agir à pile l'adresse pour joindre libération paix ak mesayo en côté déclaration monsieur Max Leroy Mésidor un petit message Monseigneur Max Leroy Mésidor, archevêque Port-au-Prince, sous situation à vivre là. Frère Axomio, avec tout évêque, avec toute l'église là, m'a continué à lancer un gros poutrelle pour demander libération Péo, Méo, à deux autres parents, Péanel, curé Galette Chambon, qui n'en est ravi seul toujours. M'a demandé, Mounio, qui kembe frère Axomio depuis 12 jours pour la guerre. C'est une installation qui est dans la zone, nous, qui est prêt à aller nous qu'un béo. C'est un travail, l'église, là, qui est. Et Père, lui-même, n'a pas oué, ça travaille pour nous. L'église, là, qui l'école, dans la zone, là, pour nous, pour petite, nous, pour famille, nous. Qui intérêt nous gagne dans Zach, ça, nous poser, là? Pour qui raison nous qu'un béo, depuis tout le temps, ça? Qui ça qui grand, n'a fait là? Qu'un béo, paix. Mais, une demoiselle, à qui on perd de famille pendant tout le temps, ça? Dans qui ça, ça a pédé nous avancer. Si des bagages qui a fait nous souffrir, monde ça yo pas responsable. Montrer nous n'est que sensible, la vie ça yo. Montrer nous gagne humanité. Parce que un jour, nous t'a besoin pour monde n'est que sensible pour nous tous. Non, non, bon Dieu qui crée nous toutes. Non, non, doit tout monde gagne pour yon vivre libre. M'a dit non, la vie ça yo à tout cœur. Libérer mon yo. Libérer yo, yo bouquet. Libérer yo, yo pas qu'à supporter encore. Libérer yo parce que tout le monde bouquet accident fait là.
Une délégation organisation droit monde avec la société civile a visité hier jeudi à la responsable à l'église catholique en Haïti. C'est Gila par RNDDH, POH, DH, Kounan. C'est quelqu'un parmi estricti qui était représenté. Dans le cadre de la visite, ça, d'après Justin Colanoël, qui fait qu'on est. Les normal pour faire solidarité avec l'église, là, cap qu'on ait eu un moment très difficile. Responsable, c'est Gila Blanc dénoncé phénomène kidnapping, là, l'idée qui pas épanier aucun monde dans la société, là. En côté, Justin Colanoël. Nous avons visité solidarité et nous faisons ensemble avec HVC Port-au-Prince, Monseigneur et Max Leroy. Délégation a intégré la donnée Alemi Pierre Villus, secrétaire exécutif EYDA, Chédois Paul pour Kounan, Maître Gideon Jean pour CAD, Pierre Espérance RNDDA, Maître Roland Rosenberg pour FGAGE. Nous avons gagné tout, bon, moi-même qui là, Justine Cola, ensemble avec un collègue qui travaille dans la commission Justice avec la paix, tout qui était là et ensemble pour nous te capable exprimer solidarité non avec l'église là et disons renforcer solidarité ça même avec l'église là dans un moment difficile et n'a vivre mais tout vous cantez l'idée sur situation droit monde dans pays là situation violence situation kidnapping non donc nous croyons que nous pas capable accepter pays a pas capable accepter ça société a femme cou garçon dans pays pas capable accepter situation criminelle ça qui voulait finir avec nous qui voulait finir avec pays donc nous croyons pas aucune raison pour aucune raison nous doit accepter moun capable décider pour y prendre moun et en otage et puis après ça pour y exiger l'argent pour y mettre en liberté alors ce qu'on connaît très bien et moun cap travail dans l'église payo meyo laïc engagé dans l'église donc c'est pas travail y a fait pour l'argent c'est service y a prendre société a c'est service y a prendre tout le monde y a prendre tout pays a donc yo pas capable veulent utiliser yo donc pour capable faire comme pour régler l'autre cause qui pas dans intérêt pays a qui pas dans intérêt société a 5h55. Directeur exécutif réseau national Cap Défendre Droit Moun Pierre Espérance qui était présent dénoncé une situation tête chargée pays a connait depuis quelque temps une situation pays a pas connait depuis époque régime Boudi Duvalier yo défense droit moun demande population pas prendre diversion puis acheter caca prend pose prendre distance avec Jovenel Moïse faut que continuer mobiliser pour chavirer pouvoir ça qui d'après lui marre socio ak gang yon côté Pierre Espérance et pour nous connait dans qui état et otage Yeah. Et donc et l'église a gagné pour lui aller plus loin et accompagner la population parce que ça n'a plus il y a nous en dictature et celle et ça cachant les situations c'est pour la population enlever camper bataille pour combattre pouvoir dictatorial ça population pas doué prendre en diversion qui peut acheter café Abdou yo pas d'accord avec le référendum alors que eux même yo a supporté toute dérive pouvoir yo va rien dire ils sont massacre fait yo sous bande décret illégal qu'a prend et yo dou yo pas dans référendum mais dans élection quand même élection et alors qu'on connaît gang yo gain 60% et contrôle territoire pays a et puis gros malais danger qui capable river même ici en 2021 si accepté et élection faite dans condition que nous est là les ça c'est PHTK qui pourra renouveler tête li PHTK symboliser criminalité et kidnapping et viol et violation systématique droit moun crime contre l'humanité et corruption nous c'est moun nous devons vivre dans le moun c'est pour population aller camper et contre et dérive plutôt nous mourir debout parce que nous mourir à genoux donc jodi n'importe moun capable victime de insécurité d'état ça qui gagne dans pays là parce que au bon pouvoir et un régime qui fait alliance avec gang et la police a fait alliance avec gang donc faut que nous lever camper dénoncer camper bataille pacifiquement pour et déraciner régime dictatorial ça.
Voilà déclaration directeur exécutif réseau national Cap Défendoir Mounio Pierre Espérance. N'a toujours été dans ça qui est pour avec à cause insécurité précisément ça kidnapping en pays. Eh bien j'en ai déjà annoncé dans titre gagnant chauffeur directeur financier dans EDH non qui c'est lui-même Adelson Doris Maillet qui sauvé de justesse qui sauvé en dit bon Dieu dit permettre que lui-même bon croyance lui permettre que lui hier lui pas victime de Zak kidnapping ça et mais lui sorti blessé quand même parce que mais plusieurs armés étaient attaqués lui dans rue pavé côté lui-même Adelson Doris Maillet dans voiture de marque Toyota Prado couleur gris qui est pour numéro plaque ISP alors SE c'est service de l'État mais numéro plaque ISP 04 453 et lui a piloté machine ça qui c'est machine lui c'est chauffeur directeur et financier des Achelon mais tentative kidnapping ça lui arrivé dans une rue pavé qui patrouille sur qui ça la BNC côté un bien chauffeur ça qui s'est adressé son Doris Maillet blessé en babal bandio et qui qu'on a pris dans l'hôpital dans zone métropolitaine non n'a pas rappelé ça fait pendant un espace de 6 jours a produit dans une rue pavé qui patrouille loin sur qui ça la BNC à côté on a quitté 16 avril passé à la gain policier Ephésien Jean-Louis côté bandit t'est touillé li et yo t'est allé avec Colli et n'a rappelé Ephésien Jean-Louis lui-même qui c'est agent 3 qui t'est fait partie t'est sorti dans 17e promotion de la police non côté en pile monde t'est acquisé l'enjeu de voiture sous base crash édifié qui t'a commettre action sac action non moi ça sous policier ça Ephésien Jean-Louis mais c'est pour rappeler que bien même espace dans même zone ça avec plusieurs mauvaises actions qui posées dans intervalle 5 à 6 jours bien action ça répété tant que hier pendant Jean Dédian bien Adelson Doris Maillet qui c'est chauffeur et directeur financier dans EDH qui est même sauvé de justesse en bas quand on a eu une tentative kidnapping et examen t'a fait sous lui mais qui blessé et non action si là n'a toujours été dans sa qui est pour avec à causer kidnapping ça n'est les auto kidnapping mes amis ça est une nouvelle liée côté j'ai un débat dans la demoiselle ça qui est les dorsifanette les gagne 30 l'année sous le bois tête li et la police qui interpellé li qui appréhendé li poser le question puisque li expliquait que était kidnappé li et bien cellule contre enlèvement nan qui gagne dans double mission pour qu'on exactement le acte de kidnapping fait pour que si moun qui victime nan wali ou pose question pour avoir capable d'information exactement et bien yo fini par joindre que mais dans ces fanettes qui est quand l'année sous tête qui c'est semble-t-il mon Léogan qui est à pendant deux fois t'a fait s'enrêler un auto kidnapping qui t'a fait un kidnapping faut pour faire l'argent bah pile l'argent et dans quelle idée pour capable faire libre bah comme avec un juge pour libérer un ménage qui est dans la prison entendez comme ça il a dit il fait kidnapper lui auto kidnapping d'après ça la police expliquer dans ça mais il dit premier acte kidnapping qui était fait là et c'était en novembre 2020 premier acte auto kidnapping que fait sur l'IA c'était en novembre 2020 quand il était fait mandé avec famille 350 000 goudes pour être capable libérer et famille qui était ravitaillé qui était fini par bail comme ça pour des jeunes libération deuxième acte kidnapping qui fait sur l'IA c'est avant elle là date qui était 19 avril là avant elle là il fait kidnapper côté encore fait lui mandé 250 000 goudes pour capable libérer et famille selon ça expliquer avec la presse il a pas quand même fini payer premier somme combien était bail là qui c'était 350 000 goudes là pour quand même fini payer et déjà là il a mandé kidnapper en avril là et il a mandé n'importe 250 000 goudes ça fait au total une somme l'argent que dans ces fanettes qui est 30 ans déjà fait 100 000 et à bail pour question kidnapping et poser question c'est lui le DCPJ qui gère ça je finis par ouais dans ces fanettes c'est lui même qui planifie kidnapping encore dans souci pour capable faire libérer un ménage lui qui en prison 6 heures n'a toujours été sous dossier insécurité en parlance avec le secrétaire d'État communication France Exatus qui fait qu'on est pour en place à travail pour porter réponse à la population face à ce phénomène insécurité à secrétaire d'État dit le conseil situation insécurité et citoyen vivre dernier temps ça yo compliqué en pile France Exatus dit autorité au patrouille pas parler dans la presse sous dossier ça à cause y'a travail la journée qu'on en a l'idée pour contrer carré phénomène là en côté France Exatus un ami Koblès Peterson. Dans le stade nous arrivé là aujourd'hui par rapport à problème de sécurité qui vient sur le terrain. Dans le stade nous arrivé là aujourd'hui par rapport à problème de sécurité qui vient sur le terrain.
autorité yo fait un pile effort pour pas faire trop de déclarations. Parce que dans le stade nous arrivé là, c'est action concrète, population attend pour que le jeune solution. Et garantie m'kabanou au plus haut niveau de l'État qui a des dispositions qui a plein. C'est pas une situation qui est facile du tout, elle est extrêmement complexe. Et les secteurs qui infiltrent toute force, toute institution qui doit travailler pour qu'ils arrivent à atteindre la sécurité de la population. Nous, quand on voit dans la culture, il y a des fois voler entre la caillou, les lapcours, il y a même encore après les barres volées. Donc, c'est une situation qui est très complexe et puis c'est sécurité, il y a des détails que nous ne pouvons pas faire. Donc, sur les salariés de la population, avec la presse comme garantie, l'autorité a travaillé pour que rapidement il y ait des dispositions de propre sécurité tournées souterrain. Voilà, ça c'est déclaration secrétaire d'État communication Franz Exartus qui lui-même t'a parlé avec un journaliste hier. Je lui dis, dans le cadre de la conférence, il était placé Mopal dans un gouvernement qui lui dit qu'il travaille sérieusement dans la journée ou la nuit pour capable garder comment capable contrecarrer action bandit dans la rias et tout ça kidnapping yo. Pour la faire connaître l'État, autorité ou pas trop parler dans la presse, c'est parce que yo a travaillé pour porter résultat avec causer kidnapping. Observatoire crime contre l'humanité présenté hier jeudi à la un rapport sur crime contre l'humanité qui fait dans le pays d'Haïti pendant la dernière année ça yo document gain 5 à partir là dans parmi les différents massacres qui fait dans quartier populaire yo tant la Saline dans cité Soleil à Kabele massacre ça aussi résultat complicité pouvoir en place à groupe armé G9 en famille avec alliés d'après document ça grave 25 femmes à Katifi violées et puis plusieurs centaines caillboulées rapport ça conclut pour dit tout massacre ça yo c'est crime contre l'humanité et puis le fait dans l'idée pour empêcher population haïtienne manifester contre pouvoir en place non la recommandation document ça responsable dans observatoire souhaiter autorité concernée prend responsabilité yo en côté maître Mario Joseph pour plus de détails nous présenter un rapport que observatoire est préparé de concert avec donc clinique de l'école de droit de l'université Avad qui est dans Boston, Massachusetts. Nous faisons expliquer nous avons trois massacres qui nous prennent comme éléments. La Saline, Bel Air et Cité Soleil. Nous analysons. Et nous avons près de 200, plus que 240 victimes qui mourent, monde qui déplacés et monde qui violés. Fille et femme, et moun qui parcourent par eux qui disparaissent. Ouais, donc, et pile caille qui boule dans la zone Sayo. Et clairement, nous expliquons dans le rapport, le gouvernement Jovenel Moïse a participé et massacre s'est fait pour raison politique. 6h05. Impunité qui gagne dans le pays, c'est lui-même qui a accouché phénomène d'insécurité à déclaration. Hérol Jean-François, une porte-parole observatoire, qui a profité, critiqué, responsable dans l'État qui n'a jamais posé action pour mettre en bas code tout le monde qui a été trempé dans différents massacres qui fait dans le quartier populaire. Police nationale d'Haïti, c'est un coup pas existé à cause de passivité là, face à l'action bandit qui a terrorisé la population. D'après le journaliste Hérol Jean-François, en côté déclaration, c'est une porte-parole observatoire. Nan, Radio Omega. Si c'est un pays permissif, il y a un plus gros problème en Haïti aujourd'hui, hein, c'est question d'impunité. 1903, ça fait 118 ans depuis nous avons procès en bonnet du fort. Aujourd'hui, hein, nous avons escalade de sécurité. Escalade de sécurité, hein, qui Jean nous a exprimé. En novembre 2018, il y a un massacre qui fait dans la Saline, côté des groupes de bandits touillés, un paquet de monde dans la Saline. Il y a parlé de 71 monde, qui ont voulu dans la commune qui ont déjà assassiné. Et puis, le pouvoir qui était là a sorti une note pour condamner ce qui s'est passé. C'est pour m'habituer à dire que je fais une intervention dans la radio. Je dis même en simulacre qu'on a fait côté ministre de justice là, à l'époque, tu as fait une délégation à journée lieu dans la Saline, puis on connaît sa passée, à qui on fait passer, etc.
Après ça, il y a une organisation de Mounio, Fondation Géclairé en premier, aller sur les lieux, ils font rapport. MDH, aller, ils font rapport. 8 mois après, les Nations Unies font rapport qui corrobore sa organisation haïtienne de Tédi. Et jusqu'à présent, les gens qui ont fait massacrer aussi des noyaux, ils ont des fonctionnaires dans l'État. Fonctionnaires, ça a passé en pile mois, ils étaient en poste sans pas aucune poursuite qui fait contre eux. Ensuite, comme l'impunité, il a accouché de nouvelles impunités qui sont graves. Après la Saline, il y a des massacres qui fait de l'autre côté, il y a qui fait Cafoufeuille, il y a qui fait Bélair même successivement, il y a 3 massacres qui fait. Non, même mon yote cité la Saline, il y a la dernière cité dans Bélair là. Donc, nous entraînons escalade de sécurité. Et ensuite, les gens pouvoir réagir par rapport à massacre ça, c'est à coup qu'on voulait imposer nous ça comme une réalité. Ça veut dire que ça fait partie de la réalité quotidienne. Non? Donc, la police vient d'un coup qui a existé. Le point d'actualité à la guerre président Tires Sénat, Joseph Lambert, qui aïen, en cas d'yon interview, le débat avec un collaborateur, nous, Romain Lessam, Dina Emissor Booster, côté li retourné sur rencontre qui était gagné avec le président. Non, je passe au là, c'est notre décide, c'est en fait qu'on est lui expliqué, président Jovenel Moïse, li techniquement impossible pour organiser référendum 27 juin cap vinila. Président Tires Sénat, prend exemple, plus passé 30% population, ça qui là, qui empêchait liste électorale là, monter, ni référendum ni élection pas capable d'être faite pendant l'année 2021. Ça a coûté insécurité à lui-même avaler terrain qui sont leurs problèmes qui viennent ajouter. En côté président Tires Sénat Joseph Lambert, nous avons collaboré nous remanez samedi. Moi, divin, moi favorable tout à un moyen constitution en profondeur et ceci dans façon de faire, genre de faire et mes procédures qu'on utilise là, ni pour moi-même, ni pas inclusif. Ni participatif suffisamment. Ou pas tes paroles binu en balé? Bon, c'est des paroles que m'a dit depuis quelque temps, mais binu ne fait que reprendre en compte ça nous qu'on a dit, qui fait que je ne vous dis, nous bien comme un prichon à reprendre binu. Et comme des cadeaux, update, et paroles binu. Dans la réalité, nous gagnons environ 6 millions de monde qui pour faire 4. Voilà que je ne vous dis, c'est seulement 3.2 millions de monde qui gagne 4 dans mes avec soit disons environ 4 millions de monde qui fait 4. D'où 38% de monde pour faire 4. Alors, est-ce qu'on va mettre 38% de monde ça dehors? Radio Omega. Dans tout processus électoral ou de consultation qu'on va faire, ou bien est-ce qu'on va mettre là-dedans? Et pour ça, on a besoin de 4, 5 ou 6 mois pour que ça fasse. Et pour qu'on ait fini de faire 4 électorales, il faut que vous voyez liste qu'on gagne dans mon an. Albaï conseil électoral là pour que lui prépare sa liste électorale. Pour grand public là qui passe en question sa liste électorale là. C'est lorsque qu'on y a là et on y fin fait 4 là, ou bien 4 là dans mon. Mais là, on y a 4 là dans mon. Sous balle dans l'élection, qui compte au connaît qu'on va le voter. 4 là, c'est pas uniquement pour l'élection non, mais sous balle dans l'élection avec 4 là, qui compte au connaît qu'on va le voter. 6h10. Joseph Lambert propose un chita parler rapide à toute secteur de vie nationale là pour préparer une transition douce avant même 2022. Si on encore pas joindre avant date sa pays après le tomber dans le chaos, sénateur Sidès a invité l'opposition à comprendre la réalité ça et puis rejoindre le dialogue là pour éviter un gros vide après 7 février 2022 en côté déclaration là, toujours dans le micro Romanès ce samedi. Une série de préalables. Hormis les considérations techniques, hormis les considérations politiques, mais ensemble de l'autre bagaille, qu'on tenait compte de eux avant peut-être pour entrer dans le mode de l'NTA, et me dit président, moi, je m'inscris dans le deuxième mode. Alors, mode recherche de compromis, recherche de consensus pour essayer de voir avec l'ensemble des secteurs, toutes tendances confondues, la meilleure façon, la meilleure manière de trouver la meilleure manière pour aller mettre en place toute structure, toute bagaille côté barrière capable le plus inclusif que possible, le plus participatif que possible et le plus politiquement acceptable que possible. Voilà, c'est en gros ma position par rapport au président, ce que je lui ai exprimé de façon claire et nette et tout ça que me dit là, ensemble avec moi. Je l'ai dit aussi au président, et si je ne dis pas président, je ne dis pas ici dans la radio.
Gagnant ces députés Thierry Tardieu qui a dirigé Stricti Politique en avant, qui critiquait tout projet nouveau constitution, qui d'après lui illégal, illégitime, inconstitutionnel et qui pas inclusif. Un projet qui a monté à 5-10 amis qui a acheté à même côté manger boué après ça. Il a décidé de faire constitution, il a dit à faire pour peuple. Ancien parlementaire a dénoncé projet ça, il dit qu'il a préparé un président roi qui a tout pouvoir. Parole Thierry Tardieu, en côté de la micro, Jean-Philippe Marseillan. Sous question nouvelle constitution, bonne clé à la papote. Processus que Jovenel Moïse choisit, n'est pas participatif, n'est pas inclusif, n'est illégal, n'est illégitime, n'est pas constitutionnel. Jovenel Moïse choisit pour compter 5 amis qui travaillent son texte avant projet constitutionnel, sans pas jamais dire qui est-ce que vous consultez comme expert et comment vous arrivez à texte qui est longé par nous, je ne veux dire. Il n'y a pas représenté le secteur vie national. Les nouveaux éléments, nous me disons comment vous allez valider le travail. Vous dites nous, par une consultation, en après, plus par un référendum. Nous tous connaissons le référendum inconstitutionnel. Et nous tous connaissons que CEP qui est arrivé à réaliser le référendum, monté derrière la loi. Il n'y a pas assez monté devant la cassation. Il a dépensé l'argent de l'État. Ça veut dire dépenser presque plus que 10 millions de dollars pendant que les policiers nous ont touché, les professeurs nous ont touché, les infirmières nous ont touché et nous avons besoin d'argent pour nous faire payer à vivre dans la dignité. En fait, Zamigno, le processus ça pas quoi de sous forme que le prend. Mais le sac là donne nous l'aide toujours. On te dit que l'analyse des propositions comité consultatif indépendant ça, c'est qu'il y a pas un système qui va avoir un président roi qui a tout pouvoir avec judiciaire et législatif comme il avec. Pas de reddition de compte, il n'y a pas de plus rendre compte à la constitution ça. Et c'est une demande qui est plus importante que la société haïtienne. Thierry Tardieu proposer un dialogue sérieux côté tout secteur sous table pour joindre un accord politique à travers accord ça y a mettez sous pied un nouveau gouvernement formé un l'autre conseil électoral provisoire rétabli sécurité Latrier ancien député commune Pétionville en fait qu'on n'est pas aucune possibilité pour organiser élection à référendum à Nessa en côté Thierry Tardieu Namiko Jean-Philippe Massir. Il l'est pour nous faire une vraie concertation, pour nous jouer ensemble, nous un accord patriotique, inclusif. Tout le monde doit être là. Pas de parti politique qui peut exclure. Pas de monde, pas de parti pour mettre de côté nous tous. Ici, nous sommes capables de faire le même genre. On va être sérieux, patriotique, national. On va refaire l'histoire. On va refaire l'histoire. Et sous table, ça, à côté de nous, pour nous chita, il y a 5 points fondamentaux pour nous regarder. D'abord, date de départ de Jovenel Moïse, on va le bout depuis 7 février 2021. Deuxièmement, nous avons un nouveau gouvernement qui inspire confiance. Avec le premier ministre, qui inspire confiance. Formation, on l'autre CEP, qui n'a fait un consensus. Naturellement, évaluation système de malogas pour nous prendre côté nous garde avec système. Ça, qui va être sauté. Et, très naturellement, nous connaissons que ça le plus important, il faut mettre l'ordre dans les zones. Ça veut dire, il faut que nous mettions en place conditions de sécurité minimales pour nous aller plus vite. Des élections libres, transparentes, honnêtes, dès que techniquement possible. Et pour qui ça me dit dès que techniquement possible là? C'est parce que bon hypocrisie dans la société. Nous-mêmes journalistes, nous invitons à nous faire un travail de recherche. Allez essayer de regarder est-ce que techniquement, il y a une possibilité pour nous faire un référendum avec l'élection d'ici la fin de l'année. 6h15. Député directeur du voyage était bien loin par le comité constitution qui fait qu'on ait produit une constitution pour diaspora, femme avec la jeunesse. On s'est parlementaire à demander diaspora calégé pour ne pas prendre non faux mamite. Non, puis j'étais avec un même dossier, ça qui est bon avec à cause référendum, constitution et puis organisation élection d'un pays en gagnant secrétaire d'État communication, France Exatus qui demande si information qui t'a fait croire qu'AEPA a besoin 6 millions de monde avec carte électorale enregistré, une manière plus capable de faire liste électorale pour organiser la prochaine élection de pays. France Exatus a fait qu'on est on y déjà enregistré 4 millions 4 et puis après possible avec un processus là, ça qui a permis que eh bien yo capable monter liste électorale. Côté France Exatus expliqué dans l'intervention, l'été parlé de 6 millions mounan comme si pour capable faire liste électorale là, c'est parce que dans la période là mounan pas bien toutes données comme si informatisées.
dans niveau ça, c'est que nous n'étions là avec deux mouns comme témoins, ils passaient là, ils disent des bagarres, ils font quatre poulets, ils passent là pour d'avoir dire, nous n'étions venus sous plusieurs fois dans le système. Mais là, son seule fois, ou après ce système, même les cartes tout à perdu, ou à le refaire, ou à gagner même signe, et c'est le problème série. Mm-hmm. Il dit, mais Francis a expliqué que comme ce problème a posé combien de millions de monde pour gagner, pour faire quatre ans, ça n'a pas gagné, ça même comme problème qui peut empêcher.